Eh bien, salut tout le monde, c'est Kanemojo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve donc pour la suite de The Legend of Zelda Oracle of Seasons sur Game Boy Color. Donc là, ce qu'on va faire avant de partir vers la nouvelle destination, c'est qu'on va récupérer un quart de cœur que je sais même pas pourquoi j'ai oublié de le récupérer. Enfin, je sais même pas. Je pense que je m'étais dit que j'avais pas encore ce qu'il fallait pour le récupérer. Parce que je sais pas, vous avez dû faire attention hein, quand vous avez vu la vidéo. Vous avez pu remarquer que j'ai passé devant un quart de cœur et que j'ai même pas cherché à le récupérer en fait. C'est juste énorme. C'est complètement dingue. Bref, on va aller le récupérer. Pour cela, il va falloir se remettre en hiver parce que... Ah, quoique pas sûr qu'on ait besoin de se mettre en hiver. On va s'assurer de ça tout de suite. On va faire gaffe à ces like. Je ne pense pas que je m'étais fait manger mon bouclier en vidéo. Par contre, de mon côté, je crois que je m'étais fait bouffer le bouclier sans sauvegarder, heureusement. De toute façon, sinon, j'aurais acheté... Ça va être un peu plus bas, je pense. Ah non, bah en fait, finalement, il va bien falloir se mettre en hiver. Ouais, on commence tout de suite, hein, parce qu'on n'a pas de temps à perdre. On va aller vite, hein, on va aller rapidement se diriger vers la nouvelle destination. J'ai envie de faire ça rapidement, là. Récupérer rapidement ce quart de cœur. Et puis oui, on va commencer la quête des échanges. Mince, qu'est-ce que je fais? On commencera la quête des échanges. Assez rapidement, d'ailleurs, aussi. Et on va voir par quoi il va falloir commencer. Bref. Le quart de cœur, il va pas être très loin. Il se trouve juste un petit peu plus bas. Là, je devrais pouvoir y accéder, puisque j'ai mis l'hiver, je devrais pouvoir passer. Voilà, il n'y a pas de souci. Il n'y a jamais de souci, les gens. Voilà. J'étais pas obligé de me mettre en hiver, là. Mais par contre, j'avais bien l'item que j'avais récupéré dans le deuxième donjon pour pouvoir récupérer ce quart de cœur, ce qui me fait maintenant 3 quarts de cœur sur les 4 nécessaires pour pouvoir assembler un cœur complet. Maintenant, effectivement, les gens... On va retourner au village Auron et on va pouvoir, avant de rentrer dans la nouvelle destination, on va pouvoir commencer la quête des échanges. Qui est pas mal du tout. On verra, mais elle est pas mal du tout. Franchement, j'aime bien cette quête des échanges, j'aime bien. Dans Link's Awakening, c'était bien hein, aussi. Mais là, c'est vraiment très bien, vous verrez. Voilà, le temps que vous profitiez un peu de la belle musique. Voilà, village Auron. Oh! Ah bah il dort plus en fait. Il chante maintenant. Les saisons de l'Holodrome sont très perturbées. Printemps, été. Que va-t-il nous arriver? Même moi, je ne peux le prédire. Ça tombe bien parce que la voyance et moi, ça fait deux. Bref. Alors... la quête des échanges, ça va être ici. On aurait pu la commencer un peu avant, en fait. Hein. D'ailleurs, ce serait bien que je me mette en hiver. Je vais en profiter pour me mettre en hiver. Question de récupérer le coffre. Le contenu du coffre. Alors oui, à partir de maintenant, je sais pas si vous avez fait attention. Mais quitte à prendre plus de temps dans le montage, je laisse le son du jeu relativement... pas fort, mais que vous puissiez bien l'entendre, sauf dans les moments où ça lag, où je baisse considérablement le son du jeu, de façon à ce que ça vous dérange pas. Voilà. Ça me prend plus de temps pour le montage, mais voilà. C'est ça. Donc, mais en fait, il fait trop sombre ici pour lire. On lui avait déjà parlé, en fait. Pourrais-je avoir de la lumière? Y a pas de problème. On va te donner la lumière. Nous ne sommes pas des lumières, mais on va t'apporter la lumière. Tiens, prends ceci, le Cocotédex. Plusieurs années de travail sur les cocottes sont compilées dans cet ouvrage. Alors là, c'est un clin d'œil à Pokémon, en fait. Et le Pokédex. Pokédex. Sauf que là, c'est un Cocotédex. Cocotédex, en fait. Je ne sais même plus si c'est Cocotédex ou Cocotédex. On va regarder ça tout de suite. Ah, vous voyez que ma langue fourche un peu. Cocotédex, oui, Cocotédex. Une bombe. Et voilà. On ne sait pas encore nager, mais comme c'est l'hiver, ça tombe très bien.
Je peux récupérer le contenu de ce coffre. Encore. Oh. J'arrête pas de gaspiller des bombes. Bientôt, ce sera plus un problème. Enfin, plus tard, ce sera plus un problème puisqu'on aura l'amélioration des bombes. Donc, je sais plus trop où est-ce qu'on la récupère, celle-là. On verra ça. On a tout le temps, les gens. On a tout le temps pour ça. Alors là, par contre, c'est sûr. Hein. Il y a un passage. Voilà. Et lui, par contre, il va nous donner des rubis. Si j'évitais de le cramer, ce serait bien. Chut, ne dis rien. Eh ouais, c'est cool. Tu m'as donné des rubis, mais nous, comme nous sommes des voyous, on va te casser tes pots. Nous sommes des voyous. Petit clin d'œil à Link's Awakening, au passage. Bref. Alors, on va tout de suite poursuivre. Est-ce que j'ai... Non, je n'ai plus de... d'anneau. Je n'en ai plus. Alors, je réfléchis un petit peu, mais... ça, on avait déjà cramé ici, je crois. Oui, on avait déjà cramé, je crois, et il n'y avait rien du tout. Bon. On va poursuivre la quête des échanges, puisqu'on peut la poursuivre pour l'instant. On va essayer de diriger vers la... Je sais pas, non, je crois pas qu'on avait été là. Déjà, je crois pas qu'on avait été là. Ou alors peut-être que je vous avais montré avec la particularité habituelle des cocottes, que quand on les frappe trop, ben, forcément, elles finissent par nous agresser. Je vais vous remontrer parce que je sais plus si j'avais déjà fait. Bon, j'ai plus de cœur, donc je vais me permettre. Ah si, je crois que je vous l'avais déjà montré. Parce que elles nous font perdre... Wow. Énormément de cœur. Voyez un peu. Bon, on a la pelle. On devrait pouvoir récupérer... Ah, j'ai fait le game over, là, ça aurait été énorme. Allez, des cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs, j'ai plus envie d'entendre des bips. Les cœurs, s'il vous plaît. Ah, une fée, c'est tout aussi bien. Bon, on va éviter d'agresser les cocottes maintenant, hein. Talon, mon papa veut escalader le mon cocotte. Il faut que je m'occupe des cocottes. Alors là, c'est marrant, mais là, c'est un énorme clin d'œil à Link's Awakening. Parce que dans Link's Awakening, pareil, vous avez... c'est pas Marine, c'est une petite fille aussi dans Link's Awakening qui dit que son papa escalade le mont Tamaranche. Et ben là, c'est le mont Cocotte. Alors, des cocottes, mais j'y connais rien. Quoi? On dirait un cocotédex, j'aurais toujours du mal à le dire, ce truc. Ça m'aiderait beaucoup. Tu me le donnes? Oui. Vraiment, merci, prends ça. C'est un œuf long. Ils font un carton chez les filles. Le cocotédex s'est transformé en 9 long. Et on cumule les clins d'œil à Ocarina of Time. Mon dieu. On cumule. L'œuf long dans Ocarina of Time. Il fallait rencontrer Malon. À côté de... Enfin, il fallait rencontrer Malon à l'entrée du château d'Hyrule. Pour qu'elle nous donne un œuf long et que par la suite, on avait une petite cocotte. Voilà, et bah là on aura un œuf. On a un œuf long. Et on sait pas ce qu'on va faire avec cet œuf long. On verra bien. Mystère, les gens. Mystère. Une entrée. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Nous prendre les rubis ou nous en donner? Ah, il nous en donne. C'est magnifique. On cumule les rubis, les gens. Bon, poursuivons. On devrait pas tarder à rencontrer Maple. Parce que c'est avec Maple, en fait, c'est avec Maple qu'on devrait échanger le flonlon. Donc, nouvelle destination. Je sais même pas si... On a eu le temps de savoir... D'avoir le nom de la destination. Hein. Je crois pas, hein. Je crois pas qu'il y avait le nom de la destination. Oh, mince. Il y avait Maple, mince. Oh, c'est pas grave. On aura temps de la faire réapparaître. Ouais, c'est trop tard, elle réapparaîtra pas, là. Il va falloir attendre.
C'est pas un problème. Je sais pas, en fait, je crois que c'est aléatoire avec Maple. Elle apparaît, des fois, elle apparaît deux fois d'affilée, des fois, non. C'est... Enfin, je crois que des fois, elle apparaît deux fois d'affilée, je sais plus. Donc, eux, c'est... on va les éviter. Ces blobs sont électrifiés, voilà, comme dans A Link to the Past. Pareil. Comme dans A Link to the Past, et puis, comme dans Link's Awakening, d'ailleurs. Ah. Est-ce que c'est comme dans Link's Awakening? Si on donne... Enfin, dans Link's Awakening, lorsqu'on donnait la poudre magique, on avait une petite interaction. Est-ce qu'on va la voir? Bah, apparemment... on a le même... Oh, on va éviter, en fait. On a la même petite... C'est pas une interaction, mais on a la même petite scène, enfin... La même petite scène avec le... avec le blob qui se comporte bizarrement, mais par contre, apparemment, il se passe rien de particulier quand on veut lui parler. Non, on peut pas, en fait. Je crois qu'on peut pas. Ou alors par-dessous. Non, en fait, on peut pas. Il y a rien qui se passe. On va éviter de perdre plus de cœur. On va commencer par aller en haut. Pour récupérer de nouvelles graines. Les graines parfum. Ah, j'aurais dû lire... Les graines parfum, en fait, attirent les monstres. Voilà. Ça nous servira dans un donjon. Dans un donjon de Oracle of Ages. Je sais pas si dans Oracle of Season, on aura la possibilité d'avoir besoin des graines... Des graines parfum, je sais pas trop. On verra ça, les gens. Nous, ce qu'on va faire... Attends. Marée boueux, ah oui. Marée boueux et puis Arène de Bléno. Ah, Arène de Bléno, les gens. On va faire un peu de boxe. Ça va être bien. On va se défouler un petit peu. Ouh. Je suis Bléno, le champion. Tu veux quelque chose? Alors, viens sur le ring. Veux-tu perdre 10 rubis? Oui. Pou, pou. Voilà les règles. Écoute. On va se coller des baffes. Jusqu'à ce qu'il y en ait un qui pleure et qui sort du ring. Objet interdit. Si tu enfreins les règles... Le prochain match, c'est 20 rubis. Alors là, en fait, on peut enfreindre les règles. Mais on va éviter de le faire, quand même. Pas d'anneau, que des baffes. Pigé, ouais. T'es prêt? Allez, parti. Et il faut appuyer sur A. Pour lancer. Et on évite de se mettre dans les coins. Voilà. Ah, j'ai perdu. Tes points, c'est des éclairs. Tu es le nouveau champion. Prends ça. Vous obtenez les gants de Ricky. On va recommencer quand même, parce que je sais pas si on gagne un nouveau truc. Bon, ça coûte cher, mais bon. 30 rubis quand même. Ben, je crois que ça coûte 30 rubis le truc. On va vérifier. Ouais, ça coûte, je crois, 30 rubis le truc. Ah, il faut absolument faire gaffe. Pas dans les coins. Pas dans les coins, on se laisse pas aller dans les... J'allais dire on se laisse pas aller dans les coins, mais... Hein, on va recommencer. Ah, le premier coup, j'avais bien géré, là, ça devient... Je sais pas, peut-être qu'il est un peu plus vif. Non, en fait, il est peut-être pas plus vif. Hein. Moi, j'avais mal géré, c'est tout. J'ai perdu, t'es un bon, voilà, c'est 30 rubis. Ah non, en fait, c'est juste pour gagner des rubis, c'est rien plus. Ah oui, maintenant, il faut réassigner... En fait, si on avait triché, Ah non, voilà, c'est 10 rubis, et on gagne 30 rubis si on gagne. Mais si on avait triché, c'est 20 rubis la partie. Voilà, quoi, faut éviter. Faut éviter de tricher, les gens. Faut être loyal. Parce que la boxe, faut être fair play. On va aller en haut, on sait pas trop où ça mène. On va voir. Oh. Ah, ici, en fait, voilà... je pense que j'en parlerai uniquement dans les vidéos bonus à la fin du jeu. Là, je vais rien dire. Je dirai rien. Je dirai rien du tout. Motus et bouche cousue. Alors, on a vu qu'il faut éviter de frapper les blobs. Sauf quand on aura l'amélioration de l'épée, on devrait pouvoir... Alors ici, on n'a pas de quoi pouvoir sauter ces petits trous là, donc on va éviter.
ici. Ici, bah, en fait, on peut pas y aller. Ici, on sait pas trop comment pouvoir accéder au-dessus. Mystère. Mystère, les gens. Mystère, mystère. Par au-dessus, on va éviter d'y aller. Ouais, on va éviter d'y aller, sauf peut-être pour cramer ce truc. Pour cramer ça. Mais on va éviter de passer ce petit tunnel là. On va éviter de le passer. On pourrait, hein, on pourrait, mais ça sert à rien. On va éviter de le faire. Ici, je peux pas y aller. Allez, 15 minutes de vidéo. Hein, allez, allez. Je pense qu'on s'arrêtera lorsqu'on sera dans la nouvelle entrée de Subrosia. Voilà. Ah! Un animal, tiens. Je suis Ricky. Ah, bah c'est lui, Ricky. Le marais boueux est derrière. Chez moi, va au sud. Puis tourne et remonte. Et tu y seras. Je viens avec toi. Mais je ne peux rien faire sans mes gants. Un gars nommé Bleno me les a pris. Ah, bah ça tombe bien. On a récupéré les gants. Ce sont mes gants. Tu me les as ramenés? Merci. En échange, je vais te mener au marais boueux. Entre dans ma poche, hein, pas de problème. Alors là, franchement, j'adore Ricky. J'adore le gameplay avec Ricky. Malheureusement, les gens, j'en parlerai un petit peu après, en fait. Alors, sauter, c'est très facile pour moi. Essaie, tu verras. Voilà. Comme il peut sauter, c'est un kangourou, en fait, donc il peut sauter. Il peut sauter, voilà. Pas de problème. Par contre, avec Ricky, on peut attaquer les blobs. Il n'y a pas de problème. Par contre, faut faire gaffe aux boules de feu quand même. Enfin, je sais pas si c'est des boules de feu, mais bon. Et en plus, on les one-shot, donc c'est... J'adore. Franchement, j'adore Ricky. Et on peut faire attaque tornade lorsqu'on charge. Ah, franchement, j'adore Ricky, j'adore. Ah, c'est vraiment l'animal que je préfère dans Oracle of Seasons et Edges. Parce que dans Edges, on le retrouvera aussi, hein. Enfin, normalement, on le retrouve. Si on time bien entre le saut et puis les attaques, on peut faire des attaques pile pendant le saut. Comme ça, voilà. Ah bon. On va descendre en appuyant sur B. On va cramer ces buissons. Voilà. Pour faire apparaître un nouveau trou. Et une fois de plus. Merci de payer pour réparer ma porte. Bon, ça va, on a pas mal de rubis, hein, donc on va pas râler. En bas, juste un panneau pour nous dire quoi? Marais boueux, raccourci. Donc en fait, on nous avait bien dit de se diriger vers l'ouest. Bah, c'est ce qu'on est en train de faire, les gens, se diriger vers l'ouest. Toujours plus vers l'ouest. Ah, on devrait faire l'attaque chargée. Ça pourrait être plus pratique lorsqu'il y a des ennemis. On va aller dans cette petite maison et puis on va voir un peu. Il fait chaud. Ma piscine ne suffit pas à me rafraîchir. Il me faut un truc frais pour me donner des frissons dans le dos. Malheureusement, on n'a pas parlé à Maple. J'aimerais bien qu'il y ait Maple. Ah mince, Ricky. J'espère qu'il est un petit peu plus bas. Attends, Ricky s'est barré en fait. À moins que si je mets l'hiver. Bah j'en doute, hein. J'en doute fortement. Sinon le truc c'est que en fait je sais même pas comment je vais faire parce que Ricky n'est pas avec moi. Je vais continuer à le chercher parce que je trouve pas. C'est bizarre quand même. C'est bizarre parce que Ricky. Ah oui oui ouf. Oui oui. On peut repasser, c'est cool. Ah, j'ai eu peur parce que je me suis dit. Il y a un problème là, il y a un problème. Ah c'est dommage que Ricky ne reste pas à côté. Ah oui. Ah, j'avais complètement oublié ça, heureusement qu'on peut, hein, heureusement, parce que là, sinon j'étais bloqué. Bah au pire, il aurait fallu que je fasse une sauvegarde, et puis voilà, quoi. Une falaise, comme ça. C'est un saut pour moi. Approche, et tu verras comment je fais. Eh oui.
On a réussi! Le marabout est devant! Je rentre chez moi! Tu pourras m'y trouver! Salut! Ouais, c'est sa façon à lui de dire salut! Bon! On va se faire ses ennemis, on pourrait aller directement en haut pour voir un peu. J'adore cette musique. J'adore cette musique, mais c'est un peu tôt. Nous avons des cartes au trésor. Échoppe au rond. Y aurait-il des cartes au trésor dans l'échoppe au rond? On se souvient que dans l'échoppe, j'avais essayé de passer derrière le comptoir, mais stop, on m'en a empêché. Vous obtenez les graines Pégase qui vous donneront la vitesse de du Pégase. Ouvrez votre poche à graines et utilisez-les, y a pas de souci. Bon, j'aimerais bien avoir ma Pearl, là, ce serait sympa, hein. On va utiliser ça. On se fait avoir un petit peu, mais bon. Mon secret, il est en été quand les lianes poussent. Ah, bah voilà, maintenant on sait qu'il va falloir que l'été arrive pour que les lianes poussent et qu'on puisse accéder au-dessus. Maintenant on le sait, les gens. Et ça, c'est cool. Bon, bah ma Pearl attendra, apparemment. Ma Pearl attendra. Je vais le mettre comme ça, voilà. Repasse par là. Voilà, c'est bon. Alors, par ici, sachant qu'on ne peut pas aller dans l'eau. On voit comme une entrée là-bas. Enfin, je parle pas de l'entrée qui est complètement à gauche, mais je parle de l'entrée au milieu, là. C'est bizarre, ça a un peu la gueule d'un donjon. Ah. Tu veux aller dans le marais? Ben, j'ai perdu la clé des portes de l'écluse. Oh, comme c'est fort fâcheux, tout ça. Mais on voit une espèce d'interrupteur en bas, là. On va l'activer. Oh. Ah bah tiens! Vous obtenez la clé de l'écluse. Vous pouvez ouvrir l'écluse. Oh, c'est là qu'elle était? Ça devrait ouvrir les portes. La serrure pour la clé se trouve dans la flaque dehors. Ah bah purée. Eh bah purée, mon vieux, tu l'as pas perdu bien loin, hein, mon truc. Ah, faut quand même savoir une chose, les gens, c'est que vous, purée. La première fois que j'ai fait le jeu, mais qu'est-ce que j'ai galéré pour savoir comment il fallait faire ici. En fait, j'ai mis un temps fou pour découvrir où se trouvait la clé. Je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi je galérais, en fait. C'est juste énorme. Donc, non. Avant les graines Pégase, faut peut-être les graines mystères, pour savoir ce qu'il faut faire. Les graines bleues donnent de la vitesse. Ah. C'est tout ce qu'on nous dit, soit. Graines Pégase. Et hop, on va plus vite. Ah, c'est pas assez. Faut aller plus vite, voilà. Voilà, c'est juste. Alors ici. Ouais. Pas de bombe, juste tirer. Ici, on peut faire demi-tour si on veut. Ouais, c'est juste pour faire demi-tour. Mais on va poursuivre. Parce que c'est ce qu'il faut. Ah, je suis un peu contrarié quand même. Il n'y a pas ma Pearl. Alors là, par contre, pour accéder de l'autre côté. Ah oui, ben j'ai pas le choix, c'est comme ça. Comme ceci, voilà. Alors ici, ça sent piège. D'abord, ici, je sens qu'il y a un des rochers qui va s'activer. Ah bah, apparemment non. Apparemment non. Vous parlez trop vite. Ça paraissait louche pourtant. Alors, ici, on va se retrouver, en fait, de l'autre côté de l'écluse, en fait, hein, c'est très... On n'y est pas encore. On va bien regarder les murs, question de s'assurer que... On n'ait pas besoin d'y mettre une bombe, mais apparemment, non. Et voilà, on se trouve de l'autre côté. On va lui parler un petit peu. Hein? Comme je l'avais prédit, le temps est venu. Nous avons besoin d'un nouveau pouvoir des saisons.
Cela signifie que tu dois trouver un passage vers Subrosia et aller au Temple des Saisons. Ah. Eh oui, Jean, eh oui. On va devoir retourner dans le Temple des Saisons. Alors, il y a un vortex. Il semble être connecté à un autre monde. En échange de ma sagesse, achète un truc. Une écu pour 50 rubis, mais non. On a déjà l'écu. Ah, non. Je vais trop vite. Non, va-t'en. Bah oui, c'est ce que je voulais faire. M'en aller, figure-toi. Oh, stop. On va pas m'avoir indéfiniment. On a de quoi planter une graine. Et hop, la clé de l'écluse. On va se dépêcher d'arriver jusqu'à l'entrée. La nouvelle entrée de Subrosia, quand même, parce que j'ai pas envie que la vidéo dépasse 30 minutes. Enfin, j'aimerais. J'aimerais, donc on va se dépêcher un petit peu, là. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous. Alors, ouais, ben, je ferais mieux de mettre... Je pense pas que je sois obligé de mettre l'hiver, je pense pas. Je ne pense pas. Oh, vie! J'ai trouvé un truc Zarbi! Si on l'attrape et qu'on le vend, on sera riche! Et le grand Moblin sera content! Ah! Le grand Moblin sera content, ouais! Oui, on y va! Tu pourras nous l'acheter? 50 rubis, oui, ben on va acheter! T'es malin, mais 50 rubis, c'est pas assez. 30 de plus, ok. Oui, t'es malin, merci. Oui, on est riche. Ouais, faut pas exagérer non plus. Hein. Oui, super cool. Mais qui c'est ce nouvel animal? Tu m'as sauvé, je suis Dimitri. Et toi? Kana, c'est bien bizarre. Mais à partir d'aujourd'hui, Kana, c'est mon pote. Si tu joues de cette flûte... Je viendrai te retrouver. Cette flûte étrange est celle de Dimitri. Elle s'est rappelée Dimitri. Monte sur mon dos. Ah voilà, donc on va faire un petit peu le tuto. Donc pour manger, c'est à... Voilà. Donc en fait, voilà, à partir de maintenant, la flûte qu'on avait récupérée dans le... Subrosia, bah c'était en fait la flûte de Dimitri. Et je vous avais parlé de trois autres endroits pour récupérer, enfin de deux autres endroits pour récupérer deux autres flûtes. Mais là c'est trop tard, donc on a fait le choix de récupérer la flûte de Dimitri. On aurait pu par exemple récupérer la flûte de Ricky. Et voilà les gens, donc vous savez qu'à partir de maintenant, on peut choisir d'être ami avec l'un des trois animaux. Mais on peut pas être ami avec les trois animaux en même temps. Donc, c'était ça le petit truc en fait, donc... Tu peux me porter ou me lancer avec le bracelet de force. Veux-tu essayer? Ce qu'on va surtout faire, c'est récupérer des cœurs parce que là, j'ai peur de me faire un petit peu avoir. Voilà, pour ça. Bon, là, c'est bon. On va continuer à essayer de récupérer des cœurs. Ce serait bien parce que j'ai pas envie d'entendre les bips. Finalement, on va pas mettre l'hiver tout de suite. Parce que là, on va tout de suite se diriger vers l'entrée de Subrosia. Vers la nouvelle entrée. Voilà, j'ai récupéré tous les cœurs que je voulais. Voilà. Enlever tous les pièges. Comme ça, ce sera bon. Ah, parfait, parfait. Parfait, parfait. Aïe! Fais gaffe! Où tu vas? Tu viens de bousculer ma pelle! Oui, ben je sais. Garde-toi! Mais c'est un œuf long! C'est super! À la mode, les filles! En raffole! C'est ce que je cherchais! Tiens, garçon! T'en as pas besoin! Je te l'échange contre ma poupée! Vous échangez... L'œuf long contre une poupée. Oh, bah oui, je suis un garçon et les garçons ils ont pas de poupée, hein. Oh. Poupée fantôme. Elle fait peur. Et donne des frissons, hein. Ça t'apprendra à me rentrer dedans. Salut.
Bon, du coup, voilà. Ah, on a poursuivi un petit peu la quête des échanges. Oh, non, pas par ici. On va porter Dimitri. J'ai dit porter, j'ai pas dit... Ah. Oh. Porter Dimitri. On va faire attention au trou. Ah, 31 minutes de vidéo. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas trop long. Bon, en fait... Dimitri, il sert à rien. Pour l'instant. Je l'ai porté, mais en fait, il sert à rien. Et voilà les gens, on va s'arrêter ici. Vers la deuxième entrée de Subrosia. On va se mettre un petit peu de côté, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à aimer la vidéo, dire ce que vous en pensez, donner des conseils, bref. Allez, salut, portez-vous bien les gens, à la prochaine.